Bon, c'est Ah bah sensible ta caméra chiche. Attends. Elle est belle, hein? Ouais. T'as vu? Attends. C'est super fluide. Ouais. C'est quelle marque est ton téléphone? OnePlus. Chiche. Chiche OnePlus, oh my god. Mec, on dirait genre un making of, tu sais. Attends, je vais juste fermer la porte, ça me perturbe. Y'a pas le son. Y'a pas le son? Non, non, mais y'a pas le son. Je vois coucou. Regarde. Coucou. Oh, coucou. Bon, j'attends mon adversaire. Oui. Parce qu'il a trop peur, mais il faut tant qu'il se décide. Oh, par contre, alors c'est un... Oh là là. Par contre, si je deviens caméraman, okay, je vais avoir les bras défoncés après, c'est sûr. Ah, bah c'est le but, hein. Xana, ferme okay, ta porte de chambre. Fais ton malin, espèce d'inquisiteur de mes deux, là. Ah d'accord, ok, il en a deux. Ah, regarde, tu le prends comme ouais, ça, mais genre sur le genou. Ouais. Et ensuite, tu tournes comme ça. Puis sur, ouais, tu lâches un petit peu, oui, en même temps. Oui, mais t'en as, ils arrivent à faire tourner autour de la... Ouais, mais ça, c'est compliqué. Vraiment. Après, moi, j'ai pas envie de le... Parce que là, oui, comme ça. Attends, je vais poser mon tel quand même. Ouais. Sur le bout, vraiment sur le bout, pour que t'ailles le... Ouais, comme ça. Attends, ouais, mais, là, mais après, t'as genre... Attends, je vais t'en faire un truc, mais... Ouais. Tu peux ça, mais alors là, c'est... j'ai failli le faire tomber, quoi. Je sais même pas, mais ça se tient à 2, à 1. Bah, je sais pas, les deux, ça fonctionne. Qu'est-ce qui me trafique l'autre là-bas là ? Il va me sortir tous ses sabres, il va même, il a même pas assez de mains pour tout tenir là. Qu'est-ce que tu fous ? Il va sortir ses nerfs et tout là. Le futur qui chine. Non, en fait, parce que check, ça là, c'est que genre, tu sais, en dessous là, t'as un truc, c'est que tu peux les connecter avec. En dessous, ici. Ah ouais. Ouais, mais ça fait petit quand même. Ouais, mais ça vient avec genre en mode bonus, tu vois. Faut que le truc il rentre dans la fin. Ouais, je sais, ouais, mais j'ai pas envie de forcer. Non, mais on s'en fout. C'est à Xana, on s'en bat les couilles. Mais j'aurais, tu vois, avec ça, j'aurais trop peur de faire. Ouais, ah, bah voilà, ouais, là, je suis mort, tu vois. Ouais. Non, mais c'est comme ces trucs là. Mm-hmm. C'est pareil, j'aurais trop peur de me les. Non, moi j'adore. Le sable laser de Kylo, j'adore. Alors, par contre, pour l'enlever. Ici, ah oui, il y a ça. Tu le sors. Est-ce qu'il faut tourner, non? Ouais, s'il faut tourner un peu. Vas-y, fais-nous un show pour show off ton outfit de PlayStation trop stylé là. Il y a un truc que j'aimerais beaucoup quand même. Au moins savoir manier le sable. Bah, tu sais, il y a des vidéos sur YouTube en mode tuto et tout, mais genre, bref. Ça s'apprend quoi. Mais ouais, parce que c'est tellement stylé. C'est Aon. Mais il a des bons réflexes. Il triche, frérot. Ok, d'accord. On est comme ça. C'est comme ça dans la cave. Oh, le réflexe. C'est... Bonjour à moi-même. Ah, mais moi, mets des fresh au combat, j'en peux plus. je pensais pas que quand je t'ai vu ta première vidéo de théorie, j'allais t'affronter un jour. C'est vrai. Mais il fallait t'y attendre. Avec ma quiche dans le poil, dans ton esprit, c'est sûr que. Je suis corrompu. Mais jamais tu ne me guériras de ma corruption. Tout ça va dans où? Dans le show des chevaliers? Dans la cave? On mettra bien un écran de floutage ici pour... voilà. Je ne ferai pas ça. Ah, oh, oui, d'accord. Ah, il se défend bien. Ça va devenir un combat comme dans le tronc, on va faire juste tourbillonner comme ça là. Ça fait quand même 2 minutes que vous battez comme des. Voilà. C'est vrai. Putain, je vais te crever. Ok,
Donc, Xana, j'ai quelque chose pour toi, aussi pour ta sœur, évidemment. D'accord. Mais elle tient actuellement... la caméra. La caméra. Écoute, mon Xana, officiellement, je t'ai dit que je le ferais, que je l'amènerais. Eh bien... Oh là là. Le voici. C'est le t-shirt. Et tu en as aussi pour toi. Merci. Après, les tailles, hein, vous verrez. C'est le t-shirt. Oh là là, mais c'est trop magnifique. Qui chie plus. Ah, c'est cool. Et en plus, ils valent de l'or, hein, parce que maintenant, ma mère, elle est à la retraite, donc c'est plus possible. On a l'édition limitée. Les derniers. On est l'édition limitée. C'est méga rare, ça. Ah, déjà, c'est méga rare, parce qu'il n'y a que ma mère qui en a fait, et il n'y en aura plus. Donc, c'est trop bien. Merci. Écoute, de rien, après, si tu voudras l'essayer. Moi tout aussi, ça, je vais l'essayer demain. Demain, puis comme ça tu fais une photo, tu partages sur la... Non, moi je le mets tout de suite quand on revient. Non, moi, demain je suis sur des chevaliers. Mais je sais pas si, je pense pas qu'ils vont me faire venir. Attends. Mais... Ouais, mais s'ils te font venir, au moins tu pourras y aller avec... Mais j'ai rien prévu, ils m'ont pas dit de faire un Québec Express. Bah mais le pareil. Tu verras. Mais... Bah si t'es, si t'es choisi chancelier par exemple, on va peut-être te mettre dedans, donc écoute... non, c'est pas possible, c'est pas moi qui... Moi je pense que ça va être beau. Ah, non. C'est soit Claude, soit Bruce. C'est vrai que j'ai pensé à Bruce. Bruce, il veut pas le live. Il veut pas. Mais c'est soit Claude, soit Bruce. C'est souvent quand on veut pas qu'on les choisisse. Parce que, il veut pas. Moi, j'ai voté Bruce. Perso, j'ai voté Bruce. J'ai voté Bruce aussi. Allez, je savais. Moi, j'ai voté. Ouais, après, c'est. Moi aussi, j'ai voté. Plein. Bah, moi, tu m'as voté, moi, là. J'ai voté Flamenco. Puis papa, il a voté Xana. Ah, la mise du t-shirt en direct, là. Attends, tu me filmes, là? Bah, ouais. Bien sûr. Attends. Oh là là, regardez-moi ça. Vas-y, mets-toi côte à côte avec ta. Attends, pose-moi ta main. Retournez-vous tous les deux là qu'on voit le Kishni plus. Là j'ai la même tenue que les chevaliers. Alors je suis en train de me chercher un costume. Puis Xana il m'envoie vers Gros Goût. C'est la décision, est-ce qu'on le prend ou non? Voilà, c'est la décision. Je sais pas. Bah là ils viennent de toucher, donc je suis plus sûr, mais. Donc bon, on est à Walmart avec les caribous en direct. Coucou. Est-ce qu'on peut montrer le plus? Ah oui, forcément. C'est n'importe quoi. Bah c'est pas n'importe quoi, c'est quand même stylé hein, quelque part. Voilà, on a un sabre d'Asoka qui est visiblement celui de Clone Wars, hein, visiblement. Après il est bleu, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, après t'as des gros goûts ici qui sont aussi pas trop mal. Ils sont un peu plus grands, ils sont pas doux par contre. Ouais, mais lui il coûte 50 balles. Donc, ouais, lui je sais pas combien il coûte par contre. 7 balles, 7,97. Oh bah ça va. Il y a des moyens gros goûts là qui sont. Entre le costume. Oui, parce que mine de rien, j'aurai 30 ans, mais je m'en bats les couilles, je vais faire Halloween avec eux. Donc je me suis pris un costume. Exactement. Ah, c'est plus une cape qu'un costume, tu vas me dire. Mais... Bon, est-ce qu'on a d'autres petites perles à se trouver? Un peu dans le rayon, là, vas-y, fais plaisir aux yeux à tout le monde, là, parce que je sais qu'ils aiment bien Spider-Man, ils aiment bien les Avengers. Ça, et là, c'est la version la plus bizarre que j'ai jamais vue de Dark Vador. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ça? C'est Luke. C'est Luke. Ouais, ça, c'est Luke. Ça. C'est perturbant. Mais qu'est-ce Mais même un truc de Loki, je pense, ça resterait des Bruce, donc voilà. Par contre, j'ai une question, et cette question s'adresse à toi, Bruce. Viens voir. C'est Xana qui a posé la question. Oh non! Je me pose quand même la question aussi. C'est savoir si en Italie c'est accepté ou pas. En Italie c'est accepté. Oh, je pense savoir qu'est-ce qu'on parle. Alors là on y va. J'ai entendu un bruit de l'ice. Oh non. Ça, si, ça c'est accepté comme déguisement en fait pour Halloween. Ou alors est-ce que ça peut en dégoûter et faire des syncopes à tous les gens qui vont regarder ça depuis l'Italie? Ou peut-être même à toi, donc écoute, peut-être ne pas trop le montrer pour préserver notre Bruce. Évidemment. Voilà, c'est la question que je me posais. Il a cascassé un camp de Bruce. Oh, ouh là 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 là, ça va trop loin. Bon, sinon, voilà, on a des magnifiques. Moi j'aime bien celle-là. Ouais, moi aussi en or comme ça, je la trouve trop bien. Il y a déjà les trucs de Noël. Moi j'ai envie de m'en acheter une pour ma chambre, tu sais, en mode décoration. Il y a déjà les trucs de Noël. Là. Ouais, il y a déjà des trucs de Noël. Ah, putain, c'est nous, vrai. On est très en avant. Ah, tiens, regardez, il y a un gros goût. Il y a un gros goût. En haut là-bas. Je le veux. Bon, bah, du coup, on va aller prendre celui-là. Non ouais, voilà. C'est parti. Mais combien? Putain, t'as même un truc de décoration.
Attends, je vais voir. Ah oui, il y a un truc de Mandalorien dans la botte, regardez. Ici. T'as vu, il a ce Mando sur le bas de Noël. Oh, et ça c'est des trucs aussi, il faudrait que je me prenne un calendrier de l'avant. Ah, pour s'en acheter Star Wars. Nous, on fait plus. Il y en a ici? Bah, tu peux l'acheter en ligne au pire. Mais je suis pas sûr qu'il y en a en vente ici. Ah, c'est vrai. Bon, on va essayer de regarder s'il y en a. Nos parents, ils veulent plus qu'on fasse ça. Et bah, tu sais que moi, j'ai pas loupé une seule année. Mais ça non. Fait 30 ans que je me prends un calendrier. Nous depuis et genre. Ben, si. Et même ici, je m'en suis pris. Nous, je pense qu'on a arrêté genre avant le confinement. Genre. Et ben, moi, je l'ai toujours fait. Et je vais le refaire cette année d'ailleurs. Si on en trouve un Star Wars, je le prends. J'ai deux manettes, mais je les utilise jamais parce qu'il y a personne qui vient à la maison. Ouais, c'est quand je joue avec toi, t'es en train de m'engueuler, donc écoute, je sais pas quoi. Oui, mais tu joues mal, tu triches. Oh, oui, bien sûr. Oui, non, mais alors moi, déjà, j'ai jamais joué avec une manette de Xbox. Doit faire 3 ans que j'ai pas joué au jeu. Ah ouais. Donc, moi, je ne connais même pas les touches ni quoi que ce soit. Voilà avec qui je vais te terrasser. Ah, tu veux me terrasser avec Yoda? Donc tu te la joues Aldo, c'est ça le délire? Exactement. Moi j'ai joué Dark. Attends, les gars ils sont en vocal, est-ce qu'on rejoint vite fait ou... Vite fait. Très vite fait, juste vite fait. Pour signaler Hello. Attends, filme-moi, j'ai envie de faire quelque chose. C'est Xanatos, Salut. Alors, juste pour vous expliquer, il va y avoir un combat à mort entre lui et moi avec ces personnages-là. Ah super, on va s'affronter dans l'ultime duel. Ouais, mais alors le truc, c'est que moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Quoi? Moi, je suis pas bon. Oui, non, mais toi, t'es peut-être pas bon. Moi, je sais même pas jouer. Voilà, à chaque fois que les gens me disent ça, ils m'éclatent quand même. En gros, on a confiance en toi, Xana, toi, l'ouvrir en deux. Mais moi, je joue Dark Maul, donc c'est plutôt moi qui va se faire ouvrir en deux. Il y en a un ou deux qui reviendra jamais sur la KF. Hein. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors, je sais pas de quel côté tu te places, mais... Le perdant mourra. J'ai pas de... Pas de préférence, ok, très bien. Très bien, je retiens, Auré. Exactement. Je te reconnais bien là, Ori. Ouais, là, on reconnaît Ori. Brise les genoux, Xana, brise les genoux. Bah, Yoda, il est déjà petit, hein. Pour les genoux, va falloir qu'il se baisse. Hein. Au pire, si je le coupe en deux d'abord, il sera à la hauteur. Là, il me couper les exactement. Genoux. Alors, vise la tête. Ah, bah, je vais viser ce qu'il y a, s'il sera en face de ma figure, tu vois. Allez, bon, allez, on a un combat à faire. Un combat à faire, ouais. Je pense que dès les lives que j'ai regardé à l'époque, je me disais, ah, je voudrais jouer avec lui à Battle. Tu te rends compte? Tu te rends compte, ouais, t'étais là pendant les lives où je faisais l'histoire. Oui, c'est ça. Et tu te serais jamais posé la question ou imaginé que j'allais être là avec la manette et qu'on allait. Oui, j'avais même pas imaginé que j'aurais une console un jour à ce moment-là. Parce que j'avais rien à ce moment-là. C'est vrai. On est passé de. C'est bon. Et ben, let's go alors. Alors, donc. Je déteste. Donc pour me protéger, je suppose que c'est L2. Enfin, L2. LB. Ouais, c'est ça. Bah, la gâchette. LT! La gâchette gauche? Ouais, ça, ce que je fais là, je me protège là? Voilà, tu te protèges, oui, parce que okay. Yoda il est chelou, il se protège avec la force. Ouais, c'est ce que je vois. Quand je fais ça, je suppose que c'est une super attaque. Non, c'est une attaque. Ah, c'est une attaque, donc la gâchette droite c'est une attaque normale. Oui, mais c'est juste que Yoda il fait des gros mouvements, mais tu vois, Dark Maul, tu vois, c'est le même bouton, mais il fait pas. Tu vois, c'est. Ah, oui, d'accord, là j'enlève mon. B c'est pour faire des esquives, on va dire. B c'est pour des esquives. En fait, c'est que ça. En fait, il y a esquive, attaque et protection. Et sauter aussi. La dernière fois, je t'ai laissé en IRL, on avait fait un combat de sabre et là, on fait dans un jeu vidéo. Exactement. Allez. Allez, Kishni. C'est toi qui fuis là. Ah. Vas-y, je t'attends. Hop, hop. Ah, mais ça va durer des heures. Mange une raclette à la place, voilà. Oh. Ouais. Non, mais t'es très bon. Ouais, je suis très bon. Mais la dernière fois que j'ai joué avec l'autre, là... Oui, mais parce que c'est des gens qui savent jouer. Moi, je sais pas jouer. Après, moi, je suis un bâtard aussi. Je fais comme un malade, Dark Maul. Pourquoi tu prends Yoda aussi? Parce que Yoda, quoi. En fait, ils sont éclatés parce qu'ils ont des habiletés éclatées. Genre Rey, là. Rey, normalement, elle est quand même forte dans Star Wars. Là, dans le jeu, elle a les pires habiletés du monde. Qui sont à chier. Et donc c'est pour ça que je joue jamais Rey, alors que j'aime bien le perso finalement.
Je force même pas en plus. Non mais en fait tu te laisses faire quoi. Ouais clairement. C'est horrible. En fait c'est parce que j'ai envie de changer de perso. C'est dégueulasse de se laisser faire. Ah d'accord. Bah bien sûr. Non mais c'est parce que je voulais. Ouais. Là je vais te donner. Alors là, je vais peut-être regretter ce que je vais faire, mais. Non en vrai je vais. Non je vais pas prendre un. J'allais dire, est-ce que je suis capable de te battre avec un sniper, mais je me dis quand même pas. Peut-être, franchement, hein. C'est... Je me dis, j'ai quand même plus de respect pour toi que ça quand même. En fait, je comprends pas parce qu'on s'attaque tous les deux en même temps, mais en fait, tu fais beaucoup plus mal. Bon. Obi-Wan, ok. Obi-Wan, ok. On tente, hein. Ah oui, bah tu peux toujours tenter, hein, mais après, j'ai pas le droit de te laisser de déchéance, voilà. Mais je sais quoi? Je suis en train de trop prendre la confiance, là. Non, mais en vrai, normalement, là, c'est juste, je pense que Kishni n'est pas habitué avec la manette, il n'est pas habitué de jouer au jeu, parce que normalement, je pense qu'il y a plein d'autres gens, vous m'affrontez, vous me défoncez, hein, c'est sûr. Ouais, j'ai du mal à... Ah, finalement... Eh ben on va finir avec Luc. Est-ce que j'ai le droit de dire que... Que je suis nul, oui, tu peux le dire. Non, est-ce que... Non, je vais pas dire ça comme ça. Non, mais je peux le dire. Non, je vais... C'est la première fois que je rejoue au jeu. Non, on va dire que le Xana, là, de il y a 4 ans, là, qu'il attendait le combat... Ah oui. Il doit être déçu actuellement. Ah, c'est vrai. Il est pas si épique que ça, le combat. Bah, en même temps... Après... Je ne sais pas jouer au jeu. Oui. En fait, moi qui suis pas habitué au jeu, en fait j'ai qu'une impression quand on se bat, c'est que j'ai l'impression qu'on fait les mêmes choses, mais que toi quand t'attaques tu fais beaucoup plus de dégâts que moi. En fait, je pense que il y a. C'est juste que je pense que j'attaque plus vite que toi. Oh, j'appuie sur R2 hein, mon gars. J'ai rien de plus. Hein. Je sais pas. Non, je te mets plus de coups que tu m'en mets quand même. Ah oui. Mais là, je pense que là, c'est toi qui vas m'avoir pour le coup. Je pense pas. Ah, moi, je pense que si. T'es fou, toi. T'es une vie. Oh, mais c'est. Non, c'était serré. C'était serré. 4 victoires à une. Non, mais niveau vie. 5 victoires, mon mec. Bon, bah. Et encore, quand j'ai gagné, bah, tu te laissais faire. Hein? Quand j'ai gagné, tu te laissais faire. Ouais. Tiens, tu sais que je viens de remarquer que le symbole, là, des crédits, en fait, c'est celui qu'utilise Ori pour son cartel. J'avais même pas fait gaffe. Bon, bah, écoute, beau combat. Tu as le droit de rester sur la KF et je vais partir m'exiler. Oh non, t'as dit que c'est parti 3 mois là. Arrête, bah, arrête là. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, moi je suis arrivé comme ça, bas les couilles. Yo! 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 I'm scared! Excuse-moi, Kishi. Vas-y! Oh, I haven't said this word in a year. Hey, moi aussi! I haven't said this in a year. Make sure. You got it on! On voit rien. Hein. Tu penses que si j'ai mis de Gollum, j'ai plus de bonbons? Tu pourrais. Vas-y, mis de Gollum pour voir, histoire juste que je rigole. Ah mais je suis pas aussi bon que Tommy. T'as pas fait une famille dans Switch, mais je suis Gollum. On veut des bonbons. Des bons bonbons. On veut des bonbons, mon précieux. Que nous voulons, c'est des bonbons. Ça marche pas. Bien joué, Clo. Let's go. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. La force de la carrière. Vous avez bien mérité vos bonbons à la sauce. Let's go. Oh, merci. Par contre, on peut vous en donner. Non, je peux pas. Imagine, on croise des gens dans la rue, on ne sait pas.
vive la guerre! Oh putain! Ah moi je l'ai vraiment fait! Désolé, on en a plus, vous savez, parce qu'on sortait, on va pas en quelqu'un. Ok! Non, yo, j'ai peur, c'est passion. De toute façon, on voit même pas ta face, donc c'est... Oh, c'est bien. Ouais. Comme ça, on pourra le mettre dans la cave sans aucun problème. Exactement. Et on dit, vu de la cave, c'est bon. Et c'est... Il fait un vlog, c'est incroyable. Nous vloguons en direct de l'Halloween. Halloween au Québec, les amis. Ça va, Xana, qu'est-ce que tu penses de cette soirée Halloween? Il pleut, il fait froid, mais on est avec des chimies et c'est vrai. Et voilà, c'est un peu... Mais ça, c'est plus vieux, quoi. Ouais, c'est plus vieux, mais on s'en fout. Vive la KF! Vive la KF! Ah, bon, on kidnappe tous les bonbons. Ta gueule! Eh, regarde, regarde sur la porte, Clo. Regarde sur la porte, Clo. Où sert ça? Ici, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites déjà du trafic de bec? Donne des bonbons, ils sont plus jeunes que moi. Ah là, c'est oui. Flamant rose, c'est trop beau. Oh, c'est trop cute, j'adore. Je me dis, qu'est-ce que... Où est-ce que t'en es arrivé là? Meurs en silence, Xana, s'il te plaît, je t'ai déjà dit. Bon, vas-y, montre-moi un peu tout ce que t'as rapporté comme bonbon. C'est très simple, on va faire comme ça. Donc tu me l'as... Ah oui, d'accord. Très bien. Tu vas je veux la sucette. Je veux la sucette. Ce mec est fou. Oh, tabarnak. Mais en fait, tout ce qu'on a pris. Ah oui, tout ce qu'on a pris, ouais. Donc en fait, tout ça, c'est pour moi. Hein. On est bien d'accord? Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors des M&M's. Pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des espèces de trucs Popeye, bâtonnets de bonbons. Ils ont des aéros. Moi, ce que je fais en premier, c'est qu'il y a des sacs avec plein de bonbons, bah, j'enlève tout. Là, par contre, vous avez un paquet de bonbons différents. Mais regardez-moi ça. Oh, vu d'ensemble, voilà, paquet de becs. Voilà. Vive Halloween. Ouais, vive Halloween, clairement. Ouais. Vive Halloween. Bon, qu'est-ce que je vais lui prendre? Non, arrête. Ça, tu peux les prendre, je les aime pas. C'est vrai? Oui. Attends, vois mes pieds, ouais, non c'est pas... Oh là là, bah, des fétiches, trop tard. Oui. Non, arrête, en ce moment là, Tony, là, s'il voit cette vidéo, il va devenir fou. Hein. Oula. Il aime tellement les bonbons, les gars. Bah, désolé pour toi, Tony, mais là tu les vois, mais ils sont déjà digérés hein, au moment où ça arrive. Bon, à tous les gens qui ont 30 ans et qui se disent qu'on peut plus faire Halloween, et ben voilà, on est en train de trier des bonbons. Ouais, exactement. Oh, mon Dieu, la classe. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas mangé, donc ça me fait envie. Ça me fait envie. En fait, là, ce qui pourrait me faire envie, ce serait genre les genres de mini sneakers comme ça. Mais tu en veux. Il y a des M&M's. Des Kit Kat. Je sais pas, je verrai après. Je vais me décider. En fait, t'as des trucs, ouais, un peu. T'as ça, mais bon, ça, c'est traditionnel. T'as des trucs un peu exotiques, comme ça. Après, t'as des trucs aussi. Ça se marque dessus, c'est original. Ah, t'as carrément des Pringles pour Halloween. Je crois que c'est ça, des popcorn. C'est des trucs, mais genre, nous normalement, ouais, mais ça encore, c'est traditionnel chez nous. Ah, moi, c'est rare. Ouais, non, de l'argent en chocolat, c'est plutôt traditionnel. Mais vous, en fait, c'est genre, tu vois, genre des Pringles, bah, ça fait, c'est pas du tout bonbon, quoi. Bon, en tout cas, Xana, résumé de la soirée alors. Pluie, froid, mais beaucoup de bonbons, beaucoup de fun avec Kishmi, avec Chloé, avec Kimi aussi. À refaire, si jamais, hein, si jamais elle est présente. Exactement. Je sais pas, dans 4-5 ans, vous arrivez à venir pour Halloween. Je sais pas, on fabule. Toute la KF pour Halloween au Québec. Allez hop, allez-y. Bon alors, qu'est-ce que je vais prendre moi? Ah, mais toi, tu sais. Je vais me laisser tenter par des choses que je ne connais pas. Tu vois, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est les préfets de cerises. De quoi, les copiques? Ouais. Bon, on va voir si ça les vaut. Le Halloween se termine et en beauté. Et ça va? Je suis tellement moche, what the fuck? Mais non, regarde, c'est un flamant rose, voilà, qui parle. Voilà, donc on a terminé et puis j'ai eu droit à ce merveilleux dessin. Voilà. Donc je vais l'exposer. Et d'ailleurs, peut-être que si vous êtes sur le Discord, vous avez reconnu ça. Je sais pas si on l'a posté, si. Je sais pas, j'ai le droit. Non, de toute façon, on le postera certainement. Voilà, bon, bah, ça s'achève ici.
notre aventure Halloween. C'était génial. Avec le triage de bonbons, hein, à ne pas oublier. J'en ai mangé quelques-uns, j'avoue. Allez, ciao à tous. Retournez bien à vos occupations. Bye.